Et salut les petits potes, on est parti pour ce 21e épisode. Aujourd'hui, on va finir de descendre les gorges du Tarn que j'ai commencé il y a 2 jours en vélo cette fois-ci. Et je vais commencer à remonter vraiment vers le nord. Je vais prendre la direction plein nord et je vais prendre la direction de l'Aubrac. Et je pense que ça va être joli. Normalement, en fin d'étape, je dois rentrer dans ce parc qui aspire à la beauté des paysages. Je sais pas trop à quoi m'attendre, donc on verra bien. En tout cas, j'ai dormi juste là, dans ce champ, avec cette vue derrière moi, le viaduc de Millau, et une vue à 360 degrés, sans déconner. Ouais, vraiment plutôt chouette. Je vais commencer à passer dans des endroits hyper reculés en France. Je passe dans la diagonale du vide, ça c'est sûr et certain. Donc il y aura moins de villages, il y aura moins de supérettes, il y aura moins de supermarchés, ça c'est sûr. Peut-être moins de boulangeries. Donc il va falloir que je fasse un petit peu attention à ça, d'autant qu'on est vendredi, il faut que je fasse attention dans 2 jours. On est dimanche et il n'y aura pas autant de boulangeries. Bref, je reprends la route, le Garmin est allumé, il est bien chaud. C'est parti. L'Aveyron profond, pas du tout touristique, vraiment une toute petite route de campagne, vraiment très rurale. Et il faut que je vous avoue quelque chose, depuis que j'ai pris la direction du nord, j'ai plus envie de rouler, j'ai plus aucune motivation pour avancer. J'avance vraiment très lentement alors que je pourrais mettre un peu plus de force, mais j'ai pas envie du tout. C'est pas parce que les paysages sont pas beaux, hein. Moi j'adore ces paysages ruraux, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans quand j'étais gamin, donc ça me dérange pas du tout, au contraire j'adore, ça me rappelle mon Berry natal. Mais non, c'est juste que c'est l'idée de prendre la direction vers le nord, qui signifie que je vais bientôt rentrer, qui doit inconsciemment me peser et me dire que bah non, il faut pas y aller quoi. Donc voilà, je fais une pause qui était pas prévue, tout ça parce que j'ai vu des mûriers juste à côté là, et donc je me suis arrêté manger des mûres. Alors que je m'étais dit, allez, je finis la côte et je m'arrête en haut, je mange quelques bonbons pour me redonner un peu de motivation. Mais non, j'ai succombé au plaisir des murs. Bon, après, je suis pas pressé par le temps, ça c'est sûr. Je suis juste pas motivé. Bon, je vais reprendre la route. Avec mon manque de motivation, je vais essayer de pédaler quand même. Bon, il me reste quoi là ? 60 km, oh, j'en suis à la moitié. J'arriverai pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est passé vite quand même, mais il me reste quand même 60 bornes. Bon, je vais finir par y aller parce que là je discute juste pour retarder le moment où je vais repartir. On est bien atteint. Cher parti.
deux illusions. La première, je viens de crever. Il fallait que ça arrive au bout d'un moment. J'ai pris une pierre un peu vite. J'ai plus de chambre à air. Souvenez-vous-en, il y a deux jours, je vous disais que j'en avais plus. Eh bien, ça n'a pas changé. Même s'il me reste qu'une chambre à air, j'ai envie de prendre le risque. Deuxième désillusion, je voulais dormir dans un refuge. Enfin, je voulais bivouaquer près d'un refuge. Sauf que pour bivouaquer à côté du refuge, c'était 15 euros. 15 euros la nuit, plus petit déjeuner, plus la douche. Ce qui, en soi, n'est pas très cher. Mais j'avais pas 15 balles et ils prenaient pas la carte. Donc je me suis dit, bah tant pis, j'ai envie de bivouaquer en pleine nature. Deuxième. Ceci est une rivière. Je me suis dit, quitte à pas prendre de douche au refuge, autant trouver une petite rivière, un ruisseau, pour, alors pas me désaltérer parce que je sais qu'il y a plein de vaches et que l'eau est souillée, mais au moins pour me rafraîchir un petit peu et me laver un tout petit peu. Voici la tête du ruisseau. Autant vous dire que si je me lave ici, je serai plus crade que maintenant. Donc, je ne vais pas me laver. Je vais trouver un endroit pour bivouaquer. Tant pis, j'aurai pas l'eau juste à côté. Je ne serai pas propre. J'ai vu une petite maison un petit peu plus loin. Donc je pense que je vais marcher jusqu'à là-bas, je vais couper à travers champs. Et puis voilà, j'espère qu'il y a un petit endroit plat et un endroit où je vais pouvoir mettre ma tente un petit peu à l'abri du vent parce que ça souffle un petit peu dans le bruit. En tout cas, je ne me suis pas trompé, c'est vraiment super beau. Il y a une étendue comme ça là, il y a une étendue d'herbe jaune, enfin sèche, je ne sais pas trop comment dire, qui est super belle. Il n'y a quasiment pas de route, il y a beaucoup de chemin. Il y a un GR qui passe par ici, ça doit être magnifique à traverser. Donc bon, je pense que je vais bien kiffer. En tout cas, je viens juste d'arriver dans l'Aubrac. Demain, j'ai une grande étape qui traverse tout l'Aubrac quasiment. Changement de programme, je viens de faire voler le drone. Image exceptionnelle, là le soleil est couché. Et en faisant voler le drone, j'ai vu un truc que je n'avais pas vu en faisant le tour de la cabane. C'est une fontaine avec de l'eau. Bon pépette, je t'avais pas vu arriver toi par contre. Elle est trop belle. Petite fontaine. Du coup, bah, je vais me laver. The best spot, les potes. Franchement, c'était inimaginable. J'étais parti dans l'idée de pas me laver et j'avais complètement accepté cette idée-là. Là, je pense qu'il y a même un abreuvoir, donc je vais pouvoir peut-être me baigner si c'est pas trop crado. J'adore. Je pense que je peux vous laisser maintenant. J'ai réparé ma roue. Tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Je pense que je vais passer une douce nuit. J'ai mis tout mon bazar ici, là, sur la table. Ça va être le feu. C'est déjà le feu, c'est trop bien. Bref, cette fois-ci, on se retrouve demain pour l'épisode 22. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et demain, elles vont être encore folles, j'en suis sûr. Allez, ciao!